Ok, salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 de notre vie de Stégosaurus. Il fait un peu noir ici, non? Ouais, du coup on a un peu bougé. On a fait une petite migration comme ça en off, hein, histoire de se poser ici, on sait jamais. Il y a souvent des herbivores par là. Donc on est allé vers là, on a un peu bougé, tranquille. Et bah j'ai l'impression qu'il fait nuit quoi. Hein? Pas drôle sinon. Et 6h du mat. Non, bah il doit pas faire trop nuit. Bon, du coup, pour l'instant, je suis solo. On va essayer de se trouver des buissons. Moi, je connais pas du tout cette zone. Ok. Bon, comment ça se passe? 6h du mat, il fait nuit sur cette carte, quoi. Je connais rien ici, hein. Moi, je suis perdu là. Alors, j'en suis où de ma prog? Je fais 1800 kilos, 237 newtons de bite force. Je suis à 78% de groove. Donc ça va, pas mal. Niveau stam, ça donne quoi du coup? Eh, ça donne que ça a l'air plutôt pas mal en vrai. Ça va. Ça donne que ça a l'air pas mal. Ouais. Ok, on va sortir de ce trou. Et on va se chercher un buisson. Ah, mais il fait jour, hein, en fait. Ok. Buisson. Bah voilà, juste là. Ok. Bon bah écoutez, on va attendre gentiment l'arrivée de Lee. Parce que Stego solo égale Stego mort. Et vu ce qu'il a subi celui-là, bon, hein, on va essayer de le garder un peu. Ok, c'est bon, Yali, ok, c'est bon, Yali, C'est ton nid au ok. moins, parce que je Moi, remplis un je... nid moi. Mais... Ah ouais, c'est mon nid, ouais. Voilà, bah du coup, je fais mon nid. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai fait un. Besoin d'être mère, après toutes ces péripéties. Ce besoin Ouais, mais moi aussi, irrépressible. des fois je me perds, pourtant il n'y a pas 15 000 sorties. Mais... Bah non. Bah en plus, il y en avait juste une à côté là. Ouais. Donc je regarde. Ouais, je me suis perdu, je vais crever de faim. Mais bon. Ouais, je vais arrêter de vous montrer le moment où je risque de crever parce que, en vrai. Très bien que Zombie vienne, je crois qu'il est adulte aussi. Ouais. Ce serait pas mal. Voilà, allez, on va se Attends, mais poser, un on va buisson à côté de la lave, programmer. quoi. Ok. Logique. Et puis écoutez, si on peut faire des bébés ou quoi, j'en sais rien, on verra bien. Je pense qu'on va se faire un épisode un peu utile, avec toutes les péripéties qui nous sont arrivées. Je crois que mon stégosaure a besoin de repos. Non? Pensez-vous pas? Moi je pense bien que oui. Bref, bon, on va prog et gestater. Allez, ça recommence avec les dilos. Ah mon dieu. Là, ils vont arriver, puis la grotte, eux ils voient très très bien, c'est ça Bah après dans la le... grotte Ouais, on risque pas grand chose en vrai, ils peuvent nous arriver que d'un côté. bon, je me fous contre le mur comme je faisais avant, entrer ici, je me fous dans un mur, et puis terminé. Vas-y les dilos, on vous attend, venez, regardez où je suis. Venez, venez. Là je leur dis de venir, hein. Là je te jure. Vendetta. Vendetta contre les dilos. Vas-y, viens les dilos. Vas-y, ramène-toi, qu'est-ce que tu fais? Moi je les vois pas, mais je sais très bien qu'ils sont là. Ah bah là, ils vont pas venir, hein, du coup. Hein. Ah non. Maintenant qu'il n'y a plus de bébé. C'était Là, quoi il suffit. énervé quoi. Il suffit. Il suffit d'un coup de queue pour les tuer, c'est tellement cool. Ouais. Et en plus, ils font pas extrêmement mal, du coup. Ouais. Bon, par contre, ils courent beaucoup plus vite que nous, du coup. Ouais. Compliqué de les traquer, mais. On dirait qu'il vomit mon truc. On dirait qu'il vomit le Stego quand il est énervé. Vas-y, le Dilo. Viens au cac. Viens au corps à corps, mon pote.
Après, j'ai pas la hitbox du Stego, mais. Bah, je sais pas, ouais, je voulais tester, mais. Genre, je sais pas jusqu'où la queue frappe ça, en ouais. fait. Vas-y! Il y en a un qui fait un cri gentil au milieu ou... Ah non 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 c'était le Non, c'est LCN, une je suis vie. petite, non? Ouais. Allez les dilos, venez sur nous, venez nous attaquer, vous allez pas oser. Et ouais, peut-être que je peux me défendre. Hein? Ça ose plus là. Ça ose plus les gros. Y a une nid ici hein. J'en ai Ah bah tué un. voilà. Je l'ai eu à 3 km. Il était tellement loin de moi. Le voyais faire, il voyait que tu buvais en fait. Ah bah ouais, je fais exprès. J'ai laissé, il a mordu plein de fois autour de moi, au fur et à mesure il s'approche, il s'approche, il Ouais. s'approche. Bon après je te jure je l'ai chopé de tellement loin, c'est un peu... Bon. Ouais, j'ai vu. Doit être un peu déçu. Donc la hitbox. Hein. Ouais la hitbox elle est cheatée, c'est bon. Et voilà les gilots! Alors? C'est vrai qu'on dirait qu'il est pété en deux quand il marche ce truc. Ouais. Il s'est pris un puerta dans la tronche. Le juvénile. Il s'en est jamais remis quoi. Mais grave. Ah bah y'a Zombieman, j'avais même pas vu. Ah mais c'est Dilo, il s'arrête pas. Y a un bébé. Ouais, y'a un adulte aussi devant moi en Ouais. coach. Ils sont sérieux, allez manger vos potes. Bah et surtout qu'ils vont tous mourir en fait. Ah oui. Eh les Dilos! Et après ils vont nous dire vous avez décimé toute notre famille, bah. Bah ouais, tu m'étonnes. Les Dilos! Vous allez mourir! Vous allez subir la vengeance du Stegosaurus Rex! Bon, je commence à aller vers le troupeau, moi. De toute façon, ils vont Ouais, nous suivre tout le long, ils donc. vont nous suivre. Hein. Voilà. On laisse pas grand chose en vrai. Juste pas qu'on se colle comme ça si on veut taper quand ils arrivent derrière, on Ouais. se colle De pas nous. toute façon, tous les trois, on peut tous faire la différence. Donc c'est bon. Ouais. Et ouais, les Dilos. Avec toi, fais gaffe, hein. Fais gaffe le petit Dilo. Voilà, casse-toi, c'est mieux. Sinon tu vas mourir. Bon du coup il me faudrait de l'eau. Allez toi tais-toi. Même si t'es un herbivore, tais-toi. Tu vas attirer d'autres. Voilà, gratos. D'autres carnivores. Voilà le Stegosaurus. Là il y a encore notre buisson si vous voulez. Hein. Je te vois le Dilo. Hein. Pas parce que t'es tout noir que je te vois pas. Hein. Bon par contre dans les forêts ça va être un peu plus compliqué quand même. Bon on essaie de viser le troupeau, ils sont censés être par là-bas là tout au sud. Hein. Go, hein. Un go. Évidemment j'ai abandonné mon nid, ça m'a saoulé. De toute façon on est limité à 3. Donc voilà. On est 3. 3 plus 1, 4, pas bon. Bon, il faudrait un peu d'eau aussi au passage. Ça serait cool. Je vous enlève les gamins, ça serait cool hein, aussi. Mais je sais pas par où je passe. Je fais du Stegosaurus 4-4. Bah.
Ouais, ça ressemble plutôt à de la motocross. Bon bah du coup toujours en marche pour aller rejoindre notre troupeau. C'est là-bas, c'est la direction donc. Ah mon dieu, c'est un peu le cataclysme. Mais du coup les dinos nous suivent toujours hein. Voilà, merci de confirmer. Sinon RAS hein, à part ça. Ouais, ils nous suivent encore. Ils sont de plus en plus nombreux, j'ai l'impression, non? Ouais. Ouais, ils préparent un mauvais coup. Ah. En vrai, ils peuvent vraiment rien contre nous, donc c'est pas problème. Ah mais on est là, hein. Moi, voilà pourquoi ça pue. Hein. Ah. Comme moi, il peut pas faire. C'est pas bon du tout où on est là. Non, bah... Et après, il faut qu'on traverse à gauche, donc ça, on va traverser partie pleine pour aller à l'endroit yes. Où on est. Super. Trois stégosaures perdus au milieu d'une... Ça va piquer. Marée hein. De carnivores. Mais bon, j'attends, là, moi. Là, jour de creux. T-Rex. T-Rex, T-Rex à gauche, go se barrer. Ah, ah ouais, vaut mieux qu'elle s'en court. Comme ça, ils perdent nos traces. Ah, mein gosh. Mais non, ça va, les zombies, t'inquiète. Aïe. Ok, bon, T-Rex, c'est un peu chaud quand même. En vrai. C'est chaud un peu là. Non. On a beaucoup de carnivores au cul, je trouve. Tu dis non, toi. Mais... On va ramener l'enfer au troupeau et ils sont tranquilles. Alléluia, le troupeau, on l'a trouvé et il va faire nuit. Yo, petit problème. Yo les bros. Les biscuits. Ouais, mais ça arrive, moi, quoi. Des fois ça me sort du feu, jamais. Salut tout le monde! Bon, bah, on a trouvé le troupeau, du coup. C'est bon! Ah, alléluia! Ah, ça fait plaisir de faire partie d'un troupeau! C'est un beau troupeau. Ah, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait partie d'un troupeau. Donc... Oh mon dieu. Et vous voyez les gamins, les gars, ça sent vraiment chelou sur cette map. Ça sent vraiment chelou. Hein. Y a une gali. Mais dites-moi dans les commentaires là si vous préférez ça ou la Night Vision. Mais D'ailleurs, ça va être mon prochain event ou je sais pas quoi, gali. Je le refais. Eh ben c'est parti pour une migration, j'ai l'impression là, parce qu'ils font. Bah ouais hein. Bon bah on repart à l'envers, zombie vient pas, on arrive. On va repartir à la grotte, tu vas voir. Bah, c'est sûr. Hein. On est à côté. C'est le petit Gali, je crois. Y a Douman le Gali. Je crois, et il y a des zombies c'est quoi. Il est tellement désarticulé le stego, c'est nimp. Ça n'a aucun sens. Bon ben en vrai AFK toute la nuit. Voilà, on peut pas faire grand chose de toute façon. Bon, il y a tout le troupeau qui est réuni, tout va bien. Bon après c'est un bon troupeau quand même, hein. ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir de voir un troupeau comme ça. Il commence à crier. Et ça y est hein. C'est parti pour une série. Moi je suis comme une poule. Là mon jeu. Là je suis en freeze total. Ah. Ah oui t'as quand même 300 de ping. Et pourquoi j'ai rien du tout en. J'ai rien par Discord là. Attendez, je peux pas t'agir un truc qui se trame. Est-ce que ça sentirait pas un mauvais truc là? On va se mettre en protection, on sait jamais. Est-ce qu'on peut enlever la... Y'a un Rex. De quel côté? Derrière lit. Oh mon dieu. Ah ouais, comme par hasard. Putain. Là. C'est où? Vous les voyez pas vous, vite, Gamax. C'est où? Je vois rien, putain, c'est frisé. Là. Je te dis, mais le jour, je vois rien. Y'a, je fais des dilos à côté.
Je préfère me prendre un petit lot. Oh, c'est pas... t'as un DC parce qu'on est beaucoup. C'est eux qui m'ont fait le lag, c'est sûr, c'est les Il y a deux Rex. Et oui, c'est eux. Ouais, il y a un dilo, ouais, je viens de voir. Mais il y a même plein de dilos qui sont en train de... Il y en a plein, là, c'est en train de bouffer. Par contre, mon jeu est pas beau, hein. Qu'est-ce qu'il a ? Pas beau, pas beau, hein. Vas-y, vas-y, les Rex, qu'est-ce que vous voulez, là ? Graphisme pourri. Non, non, c'est pas les graphismes, c'est juste que c'est pas beau au niveau FPS. The fuck ? C'est pareil avec les... What the fuck ? What the fuck ? Je regarde de loin, il y a pas, les Rex. Les Rex, ils crouchent. Ouais. Mais non, mais pas maintenant, attendez. Donc que je... A, 2, A, il y a 3. Bon bah... Courir. Ah mon dieu, ça pue ça. Hein. Vas-y, mais venez quand même. Il y a moyen que je crève là. Hein. Ça va aller toi? Y'a moyen que je crève. Mange un buisson par ta faute. On se fait rush. Ah, c'est chaud. Attention, le Rex il rush. Ah, c'est bon, j'ai vu quand même. Bon, c'est pas l'idéal niveau FPS, mais ça. C'est tant pis. Hein. Ouais, ça craint. Ça pue la merde. Et ils vont où là? Vous allez où? Je sais pas, oh, moi je vais dans les arbres parce qu'il y a des Rex derrière. Bah oui hein. Il me court après. Bah oui hein. C'est un peu le but des carnies quoi. Oh ils ont ils mettent des coups de croc. Dans les arbres ils ont du mal donc s'ils arrivent pas à te choper essaye d'aller dans les arbres. Ils sont sur moi. Non, dans l'autre forêt à côté donc. Ah ils m'ont tué putain. Ah putain. Bah ouais. Ouais. Là, y a... C'est un barra ça. Portage, c'est ce que je dis. Non, non. En fait, ça sert à quoi d'être en troupeau si tout le monde part en cours? Bah, je sais pas, t'as dit, y a des Rex, moi j'étais en free, je vais tout droit. Hein. Y'a personne qui. Personne m'a protégé quoi, genre pire troupeau quoi. Aïe 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 aïe. Ah, mais je suis déçu du troupeau là en vrai. Moi, à chaque fois j'attaque un troupeau, ils sont tous full vénère à te courir après. Tout le monde s'est barré quoi. Il y avait deux Terry, un Triceratops, en parlant de ça, j'ai 18. 4 Stego et tout le monde s'est cassé quoi. C'est dingue. Bah ouais. En plus, j'ai besoin de boire. Super. Bah vas-y, bah les gars, fin de la série Stego. J'aurais pas fait un truc de ouf avec ce dinosaure. Ah, c'est terrible. Mais en vrai, ouais, je vais pas recommencer. Vas-y, qu'est-ce qu'ils font à mon corps? Oh, les bâtards. Oh là 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 là, terrible. Je me fais manger. Bon, bah, c'est un peu logique, hein. Bref, bah, du coup, fin de la série. J'aurais été une victime. Ce stégosaure aurait été une victime et son destin, bah, aura été de mourir finalement. Et pas d'être miraculé de la vie. Bon, moi, je suis quand même plutôt un. Can you please? Donc fuck les herbies. Allez, j'espère que cette courte série vous a plu. Ciao.